Du coup, tu serais en train de jouer, donc je peux enlever ton corps dans la lumière. Si vous voulez. Ça, c'est pour moi. Non, c'est cool. Et ouais, du coup, il y a un trou. Non, il y a des cernes. Ah, par contre, attends, je vais peut-être un. Bon, il y a un carbone, mais. Oui, faut... bah, surtout, moi, je pense à ma poutre, moi. Hein? Je pense à ma poutre. Elle est déjà bien abîmée. Ouais. Là, ça va comme ça? Mais ouais, c'est bien. Donc, Alain, il faut vraiment que t'aies l'oreille du luthier, tu vois. Tu fais semblant de. Mais tu sais que t'es sur le regard, tu vois, genre. Je prends l'air moins con que d'habitude, tu veux dire. Ah, si, si, justement. Si, si, mais encore plus. Beaucoup plus con que d'habitude. Du coup, là, on fait pour la photo, après, on fera une capta vidéo, ok? Ah, d'accord. Ok? On joue pour toi, quoi. Voilà, là, exactement. Ouais. Là, pleurer, comme ça. Oui, mais une petite larme. Avec un petit quart de ton, quoi. Tu peux pousser un peu. Il y aura un 16e dedans. Hein. Ça ne s'améliore pas. Non, hein. Ça, c'est la marche à pied, ça. Ah, c'est beaucoup trop joli, c'est pas possible. Peut-être trouver une anomalie. Je vais te l'ouvrir ton violon. Oui, allez. Ah oui, ok. Il est bien collé. Pour la vidéo, c'est bon. Tu veux du briser l'âme, c'est ça? Tu m'as dit quelque chose? Tu veux du briser l'âme? Donc là, on fait. On fait une capta vidéo. Ouais. Je joue la même chose, tu veux ou... Ah non, faut autre chose. Comme ça, c'est pas un métal à porter. Ouais, je reste sur Bach. Hein. Ou alors, tiens, je veux Nougaro. Hein. J'ai fait un arrangement de Nougaro, de Cécile. Nougaro Bach, alors, d'accord. Bon, je le joue pas bien parce qu'il faudrait que je le travaille. Je sais pas qui est-ce qui a fait cet arrangement, mais c'est super dur. Donc, Je joue quelque chose qui nous fasse plaisir, parce que si ça sonne pas trop bien, ouais, parce vrai, que tu connais pas bien. Ouais. Déjà qu'on a rien à boire. Décidément, c'est venu pour ça. Très très tôt, alors. Oui, non, je comprends. Attends, tu oublies quand tu. Ouais. Il y a beaucoup de téléphones. Vous avez vu ça? Mais qu'est-ce que vous avez tous? Et vous êtes super moderne quand même. C'est pas moi qui. Et moi aussi, je peux. Ah, j'ai pas de pochette. Tu leur dis? C'est magnifique de penser à Jean-Louis. Tu penses peut-être moins à Jean-Louis quand tu joues maintenant, mais je pense à Jean-Louis tous les jours. Tous les jours. Hein. Ah ben oui. Jean-Louis, c'est le luthier qui a fait ce violon qui est décédé il y a un an et demi, qui était mon bien. Ouais. Voilà. Et qu'on voyait quand il y avait encore
des salons, des. Oui. On voyait oui, à Paris toujours, ouais. Sur les grands salons. Ouais. Mmh. J'habitais dans un Rospordin, à côté de Rospordin, pas loin de Quimper. Il avait une petite baraque qui s'appelait Kroinen. Et il s'amusait à dire que Kroinen, ça veut dire Crémone en breton. Ah oui, c'est pas mal ça. Mais ça ressemble bien à changer. Ouais. Et puis il faisait de la mandoline aussi. Oui. Et il jouait du bouzouki. Bouzouki aussi. Ouais. Pas mal, parce qu'il faisait beaucoup de musique. Non, c'est moi, le voisin du dessus. C'est toi. Et comme je suis dessus, le voisin du dessus qui est dessus. Voilà. Il était jamais sous. Ah bon. Sous dessus. Non. Il revient tout le temps, dans tous les cas.